Je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur le premier quart d'heure de ne pas être réveillé, comme je le dis. Et heureusement, il y a un joueur chez nous qui était réveillé. Le premier quart d'heure, c'était Arnaud. Donc, si Eupen ouvre le sort 1-0 ou 2-0 après 15 minutes de jeu, on peut se mordre les doigts. Mais au fur et à mesure, on est rentré dans le match et c'était bien parce que voilà, il fallait retrouver la possession, l'organisation. Et on a vu des joueurs qui commençaient à rentrer dans le match. Après, pour moi, pour une fois, je me dis que je vais juste me consoler avec le score parce que c'est important. C'est important pour le club, c'est important pour les joueurs d'avancer et de pouvoir voir que peut-être avec les play-offs 2, on voit la petite lumière. C'est vrai que la première mi-temps était compliquée parce que voilà, on avait un manque de justesse dans notre jeu. On a vu beaucoup d'erreurs techniques et je pense que ça nous a fait beaucoup de tort. Après, deuxième mi-temps, on a essayé de régler tout ça et on a bien vu qu'on a réussi à dérouler. Et voilà, on met 4 goals ici, c'est pas évident. Mais nous, on a réussi parce qu'on connaît très bien la qualité de notre équipe. Et quand tout le monde est concentré à 110%, ben, on peut faire très très mal. Ben, on en a beaucoup parlé de ces deux mots qui sont très importants pour moi. C'est l'efficacité et la régularité. L'efficacité, on l'a eu. Mais on reste toujours encore cette équipe à réaction parce que... Le premier quart d'heure, je dis, on a beaucoup de chance parce qu'on réagit encore, on n'est pas très éveillé. Mais voilà, des fois ça se passe. Quand vous avez une équipe très jeune, de temps en temps, on peut passer à côté pendant des minutes. Heureusement qu'on ne prend pas de but. Après, je pense dans la manière aussi de garder le ballon, dans la manière de faire circuler le jeu, ce que l'on veut faire et essayer de sortir, presser l'adversaire. On a réussi à le faire, on les a mis en difficulté. Le plus dur, c'était d'ouvrir le score parce qu'en ce moment, ils sont obligés de sortir, d'être moins dans l'organisation. On sait très bien qu'on doit faire 6 sur 6. Aujourd'hui, on avait un dépassement Eupen qui était très compliqué. Et je pense qu'on a abordé ce match de la bonne façon, même si, comme je l'ai dit, la première mi-temps, elle était un peu plus difficile. On sait très bien que là, on n'a plus droit à l'erreur si on veut être dans les play-offs 2, ben, qu'on doit gagner les deux derniers matchs, qu'on doit gagner les deux derniers matchs. Les victoires amènent la confiance. Donc, en gagnant les matchs, je pense que tout le monde va sentir de mieux en mieux et pour être prêt le jour de la finale.